Je me fiche de ce qu'il a fait avant. Wade nous a abandonnés à Hambourg. J'ai pas confiance. Je comprends. Mais on n'est pas dans ce trou à cause de lui. On est dans ce trou parce que des putains de boches pensent pouvoir diviser la meilleure équipe que j'ai jamais connue. Du coup, il nous faut un plan pour sortir d'ici. On est cerné par des nazis. Même si on s'évade, on va se faire descendre avant d'avoir atteint la porte. Peut-être pas. J'ai une idée, une bonne. On voulait tromper Richter comme il se doit. C'était risqué. Mais on n'avait pas fait tout ça pour finalement lâcher l'affaire. Paulina était la suivante. Et on a pu se préparer. On savait qu'elle tiendrait. Content de vous revoir, Fräulein. Je vous en prie. Je vous en prie. Votre drôle de petit bureau est exactement comme je l'imaginais. Allons. Dites-moi ce que votre équipe manigance. Lady Nightingale. Stalingrad, la ville qui a stoppé l'invasion nazie à l'est. Si elle avait fléchi, toute la Russie serait tombée. Les Allemands ont sous-estimé l'envie de vivre des Russes. Ils ont sous-estimé la ville et ses défenseurs. Paulina symbolisait l'espoir pour son peuple. Mais elle ne voulait pas être son héroïne. Elle cherchait simplement à se venger. L'arrogance du Troisième Reich a été de croire qu'il pouvait réussir là où Napoléon avait échoué. Peut-être que s'il n'avait pas fait face à quelqu'un d'aussi féroce que Lady Nightingale. Là, on a entendu dire que Steiner traînait dans le quartier commercial. Ça se tient. Il est jamais loin d'un carnage. Svoloch. Allons-y. Non, attends, non. On devrait regarder qui c'est, histoire de prévenir leur famille. C'est un tir de sniper, précis. Tu crois qu'ils sont c'est toujours... possible. Ok, il y a plus de couverture par là. Viens. Alors comment comptes-tu éliminer Steiner, Lady Nightingale? Je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler comme ça. Ce nom est symbole d'espoir pour les survivants, Paulina. L'espoir nous fera pas gagner la guerre. Oh, je mourrai. Bande de salauds. Aux alliés de Lady Nightingale, tous ceux qui prêteront refuge à cette terroriste seront sévèrement punis. Soki. Viens, montons par là. Tu crois que le sniper, c'était un Jägermörder de Steiner? En tout cas, on doit faire plus attention. Paulina, t'entends ça? Tiens, regarde. Se dirige vers le quartier commercial. T'avais peut-être raison au sujet des Jägermörder, Misha. Allons-y avant qu'on le perde de vue. Misha, attention! Sniper, on est en plein milieu de tir croisé! Qu'est-ce qu'on fait? Utilise mon couteau pour faire diversion! Attends, quoi? Fais-moi confiance! Je les occupe!
Je suis prête à tirer. Je te couvre. Prête. J'ai besoin d'aide. Je te couvre. Il faut voir le reflet de ta lunette, Paulina. Fais gaffe. Allez, davai! Je les ai eus! On y va! Putain! Maintenant! Davai, davai, davai! Tu veux. Bonne nuit. Misha, j'ai besoin d'aide. Je te couvre. Lève-toi, Misha. On doit y aller. Signal. Misha, à toi de jouer. Allez, travaille. Il y a une ouverture. J'avance. En position. À coup de main. Davai, davai, davai. À terre. D'autres arrivent. Elle me met. J'ai besoin d'aide. C'est quand tu veux. Continue à les distraire, Misha. Les occupe. Il est blessé, t'arrêtes pas. Je vais être blessé, je vais t'arrêter.
Il est à tes trousses. Ok, je le vois. Imaginez pas si coriace. Rien ne t'obligeait à l'affronter. C'était pour t'aider. Salaud. Maintenant. Allez, davai. À Stalingrad, il n'y a de place que pour une seule tireuse d'élite. Tu l'as eu. Allez, on bouge de là. Werfe eine Granate. Hey, s'arrête. On devrait être tranquille pour un moment. Deux Jägermorder ? Il doit pas être serein. On doit se rapprocher du but. Alors en avant, Sorette. Là, le véhicule de Steiner. Je peux pas l'avoir tant qu'il est dedans. On doit essayer de se rapprocher. Vivement que je puisse lui mettre une balle dans la tête. Merde. Ça craint, Paulina. On peut pas tirer d'ici, ils sont bien trop nombreux, regarde. Merde. Steiner. Sur la droite. Enfoiré. C'est peut-être son supérieur. Sniper, à terre! Non! Ça va? Misha! C'est pas si grave que ça, on a l'air. Ok, arrête de bouger, je vais regarder. Non! C'est mauvais signe! En effet. On n'a pas le temps pour ça, Sorette. Tu m'entends? Faut que je te mette en sécurité pour te soigner. Tu ne vas pas mourir ici. Allez, bouge. Je t'amène au bureau de poste. Tu risqueras rien là-bas. Respire, respire.
Attention! Misa! Regarde. Arrêtez. Les laisse pas trop, Steiner. Ce couteau ne va pas nous aider à sortir de là. Écoute, il faut juste... Mais Misa, s'il te plaît, pour nous tous. Non, tu délires. Allez, il faut qu'on avance. Paulina, va-t'en! Non! Tu couvres l'ouverture. Moi, je vais les contourner. On n'a plus le temps. Va-t'en. Je vais les retenir. Petit frère. Ma petite sœur. Allez, va-t'en. Ça va aller. Va-t'en. Je sais que tu es là, quelque part, Lady Nightingale. Tu ne m'échapperas pas cette fois, petit rossignol. Vous avez entendu Robert Steiner? Traînez pas, Steiner! Putain, vas-y.
Elle n'a nulle part où aller. Continuez à chercher. Ces hommes ont supprimé de bien plus grandes menaces que toi, petite. Tu es toute seule, ici. Salaud.
Débarrassez-vous de cette saleté! C'est tout? Vous avez vraiment rien de mieux à offrir? Ouvrez l'œil! Lady Nightingale se cache ici. Faites ce qu'il faut pour l'éliminer.
vol, mon vieux. Toutes tes troupes, pouf, envolées. T'en fais pas, tu vas les rejoindre. Bien que tu te montres un jour. Tu ne quitteras pas Stalingrad en vie. Je sais tout de toi, Paulina. Toi, la pauvre petite infirmière qui veut défendre son pays. C'est papa qui t'a appris... Te voilà. Dis-moi, ils sont... Je vais te faire sortir de ta cachette. Te voilà. Je sais tout de toi, Paulina. Toi, la pauvre petite infirmière qui veut défendre son pays. C'est papa qui t'a appris à tirer ? Ah ! Enfoiré donc ! Ils sont où maintenant ? Morts, évidemment. C'est pour ça que tu es en colère. Merde ! Scheiße !
T'as nulle part où aller, Steiner! Toi et tes putains de nazis! Vous mourrez ensemble ici, à Stalingrad! Tu m'as tout pris! Et maintenant, c'est l'heure de payer pour ça! Ça ne t'apportera aucune satisfaction. Ma mort ne changera rien. Nous vous exterminerons tous! Tu feras rien du tout! Pas moi! Herr! Tu vas crever! Enfoiré de nazi! Ordure! Tout ce que tu m'as laissé, c'est ce couteau! Je pourrais t'aider. C'est dingue. Vous êtes tous pareils. Je compte même plus combien d'entre vous j'ai tué. Et vous déblatérez tous les mêmes conneries pathétiques. Freisinger. Il est censé me faire peur. C'est rien de plus qu'un autre facho de merde. T'en fais pas. Je m'occuperai de lui juste après. Tu pensais que t'allais prendre ma ville et écraser mon peuple? Tu as tenté de me briser, mais tu as échoué. Tu as créé Lady Nightingale. Et maintenant, c'en est fini de toi. La célèbre Lady Nightingale a évité la chute de Stalingrad. Ses actions ont poussé les Russes à reprendre leur ville et à passer à l'offensive. Paulina a changé le cours de la guerre pour les Alliés et son peuple. Avec une telle réputation, elle allait forcément attirer notre attention. Que peut vouloir faire Freisinger d'un simple officier sur le front Est? Quelle importance? Ça! On a beaucoup pour moi, Fräulein. Joli le briquet. D'après mes renseignements, Freisinger avait recruté Steiner pour un projet, disons, plutôt atypique. Project Phoenix. Possible. Tout ce que je sais, c'est que... j'ai été envoyé pour tuer Freisinger. Il y a sûrement un meilleur moyen de sortir d'ici. Il n'y a aucun moyen de sortir. À moins, bien sûr, que vous n'ayez décidé de devenir raisonnable. Ouvrez cette foutue porte et vous verrez si je suis raisonnable. Vous pouvez me faire sortir de là? Quoi? Je peux. Espèce de traître. D'accord. Je vous dirai ce que vous voulez savoir. Putain d'Australien! Aucun honneur! Aucune loyauté!
Arrêtez tout de suite. Je veux pas être la prochaine victime de ta croisade, Rosebif. J'espère que le plan valait le coup. Bonne chance, Lucas. Je pensais que vous sauriez mettre un terme au plan stupide de votre équipe. Vous vous entretuez maintenant, c'est ça? Sortez. Sortez de là! Sortez.